Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale parce que je suis en compagnie de Julia. Alors Julia, c'est quelqu'un qui tient à garder l'anonymat. Elle va nous expliquer, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo avec elle. Alors Julia, bonjour, quel âge tu as ? J'ai 27 ans. 27 ans. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en couple, c'est ça ? Ouais, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, tu es en couple avec un garçon. Et toi, faut savoir, avant de commencer toute chose, les gars, je tiens à préciser que Julia est une femme, mais avant, c'était un garçon. Donc voilà, aujourd'hui, elle a l'apparence d'une femme et tu t'es opéré de partout. Ouais, c'est ok. Pas de... Non, ça y est, voilà, donc tu es une femme. Sans ta identité, tu es une femme, ok. Donc, c'est une femme. C'est une femme, ok. Mais avant, c'était un homme. Donc le problème, c'est qu'elle est en couple depuis 2 ans avec un certain, comment il s'appelle ? Hugo. Donc il s'appelle Hugo. Il est fou amoureux de toi. Les deux. Toi aussi, tu es folle amoureuse de lui. Et le problème, c'est que lui n'est pas au courant. Voilà, donc tu ne lui as pas dit. C'est compliqué d'annoncer quelque chose comme ça quand tu rencontres quelqu'un et après tu tournes avec lui, tu lui parles de temps et passe. Il n'y a jamais le bon moment pour annoncer ça. Et il ne s'est jamais posé de questions, il ne s'est jamais dit quoi que ce soit. Non, mais là, il commence à vouloir faire des enfants, ce qui est normal. Au bout de 2 ans, il a 30 ans, j'en ai 27. Sauf que, c'est pas possible. Non, sur ça, je ne peux pas avoir d'enfants. De ce que je m'as expliqué tout à l'heure hors caméra, c'est que lui, il pense que c'est lui qui a un problème. Eh oui. Donc il est allé faire des tests, on lui dit qu'il n'a pas de problème, il cherche. Mais au final, toi, tu lui fais croire que tu vas faire des tests, mais au final, tu ne les fais pas. Et c'est pour ça que tu nous appelles aujourd'hui pour qu'on puisse venir avec toi pour lui dire qu'en fait, s'il n'a pas d'enfant, c'est parce que... Que tu étais un garçon à l'époque, parce que... Parce que là, le pauvre, il est en train de penser que c'est lui le problème et qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant. Si elle a fait appel à nous aujourd'hui, Julia, c'est tout simplement parce que son copain, elle ne sait pas comment il peut réagir. C'est pas un garçon violent, c'est pas un garçon méchant, mais elle ne sait pas comment il peut réagir. Et du coup, elle préfère qu'on vienne nous pour filmer s'il y a jamais à quoi que ce soit et qu'on soit là au cas où ben, ça dégénère. Donc voilà les gars, je suis toujours avec Julia. Elle va appeler son copain pour lui donner rendez-vous. Et si tu peux mettre le haut-parleur, c'est bien, s'il te plaît. Oui, allô, ça va ? Ça va. Tu fais quoi ? Non, là, je suis à la maison. Ah, mais tu peux me rejoindre ? Tiens. Vers le centre de la salle. Tu veux savoir, c'est quoi ? J'étais là-bas, je faisais les magasins et tout, mais si tu pouvais venir comme ça, on se parle, on se parle à un endroit, on va manger un bout, quoi, on parle, on boit, on se parle bien, on se rejoint, voilà, mais il n'y a rien de grave. Il va rire, ne stresse pas, hein, faut pas stresser. Après, c'est facile de dire ne stresse pas, mais c'est vrai que c'est assez délicat. On n'a jamais tourné une vidéo comme ça, on n'a jamais eu affaire à ce genre de situation. Mais on a déjà eu des situations où ça dégénère et on a su éviter les problèmes pour que ça dégénère encore plus. Donc sur ça, il n'y a pas de souci à te faire. Moi, ce que je comprends là où tu peux stresser, c'est est-ce qu'il va rester avec toi ? Ou est-ce qu'il va perdre ? Voilà. Est-ce qu'il va rester avec elle ? Est-ce qu'il va pas rester avec elle ? Est-ce qu'il va s'énerver ? Est-ce qu'il va rester calme ? On ne sait pas. Tu lui as donné rendez-vous, on va aller sur les lieux du rendez-vous. On va attendre. Et on se mettra en caméra cachée, je resterai avec toi moi pour pas qu'il voie la caméra au début parce que si jamais il le prend mal. Si jamais c'est bon pour toi, on fait comme ça. Allez, let's go. On va aller du rendez-vous et on va attendre son copain. Il devrait pas tarder à arriver là. J'espère, j'ai regardé, mais moi ça, je vais. Il arrive. C'est lui ? Ouais. Putain frérot, mais ça va ou quoi ? Incroyable. Ça va ? Bah oui. C'est bon, quoi ? Moi je vois pas. Ça va ? Tu es en couple avec ouais, tu vois, incroyable, le monde des petits. Ça va ? C'est un bon ami à moi, j'étais au courant. Ça va ? T'as l'air stressé. T'as envie de les anglais tous, c'est bizarre. Pourquoi tu m'as fait venir parce que... Tu savais qu'on se connaissait ? Non, pas alors moi, tu n'es pas mêlé. Non, tu sais que moi, tu l'as mis sur internet. Ouais, je sais, je l'ai regardé. Tu es au courant, donc en fait, elle a fait appel à nous parce qu'elle a quelque chose à dire aujourd'hui. Je sais pas par quel chemin elle va passer, mais moi, je suis là au cas où. Julia, après, je pense que... Il faut lui dire les choses maintenant. Il faut passer par quoi. Tu m'as trompé ? Parce que si tu dis ça, c'est que... Non, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est plus au contraire par rapport à ce qu'on est en train de faire de construire, elle a vraiment fait... Non ! Je jure que tu es enceinte ! Non. Et ? Je suis pas enceinte. Comment ça se fait ? C'est pas ça. Il y a toujours des problèmes, je sais, il y a l'entraînement. Oui, c'est moi qui fais les tests, mais genre... Je sais pas, genre, ça serait bien négatif à chaque fois, donc du coup... Mais le problème, c'est plus compliqué que ça. Moi, ça, c'est plus compliqué que ça. C'est pas toi le problème, en fait. C'est pas toi la raison.
Il n'y a pas de problème de manque de temps. Et toi aussi, tu as fait des tests, tu m'as dit. Bah, moi, en fait, je suis pas allé parce que j'ai pas de la vérité. Mais déjà, tu me demandes déjà. Comment tu veux que j'ai confiance après par la suite? Si tu me demandes déjà là, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, je sais pas si tu m'as menti ou pas. Bref, c'est comment? Mais il y a quelques années, j'étais pas ce que tu vois maintenant. J'ai été opéré il y a quelques années. Jure, non, impossible. Sérieusement? Genre à moi, tu me fais ça? Quand on s'est connu, j'étais déjà femme sur les papiers d'identité, je me considérais. T'es en train de faire ça au bout de 2 ans? Tu sais rien? Au début, je me suis préparée. Ah non, je m'en bats les. Ça fait 2 ans que tu me fais ça? J'ai jamais eu le bon. Tu sais rien, quoi? Je te dirai les choses. Tu sais rien, quoi? Ça fait 2 ans? 2 ans que tu essayes de faire de A plus B plus C plus D pour avoir une telle enfant avec toi? Et toi, je me fais ça? Oh, réveille-toi! Mais les sentiments que j'ai pour toi, ça n'a rien changé. Mais je veux dire quoi, j'ai vraiment ma famille? Que j'ai rentré avec toi? Mais non, parce que maintenant, je suis une femme. Et tu es une femme de quoi? Je te fais pleurer? Ben oui, j'ai tout opéré, c'est la seule chose que je peux pas faire avoir des enfants. Alors, des enfants, et pourquoi tu n'as pas rendu compte? Tu n'as pas rendu compte? Mais tu n'as jamais rendu compte, c'est pas non plus un truc de fou. Mais moi, c'est un truc de fou, ça fait 2 ans que tu me le caches. C'est délicat. Ça fait 2 ans que tu me caches, 2 ans que tu mens et 2 ans que tu me prends pour Non, je te mens. Arrête, la preuve. Je sais pas que tu réalises. Mais je comprends, je sais très bien, mais c'est délicat dans les deux sens. Genre, et toi, tu peux me le dire, genre. Mais frérot, la première instant, c'était toi qui l'as dit. Mais frérot, pas savoir. Non, mais je sais pas, même moi, je sais pas. Si tu m'envoies un message, savoir. Mais je peux pas savoir si t'étais avec elle. Je savais pas que c'était toi qui avec elle, quoi. De quoi? Ah, tu es en train de tirer, quoi! C'est caméra! C'est mon caméraman! Mais frérot, elle m'a appelé pour ça! Elle m'a appelé pour ça! Tu me tapes la honte ou quoi? Tu me tapes la honte! Elle m'a appelé? Moi, je fais des vidéos sur YouTube, elle m'a appelé, elle sait comment être. Je sais pas que c'est toi, va là-bas, s'il te plaît! Je sais pas que c'est toi, mon frérot, je. Tu veux en voir quoi? On va s'en boucaner alors qu'on se connaît depuis quoi? Mais pourquoi tu filmes alors? Mais parce que frérot, c'est mon métier, elle le sait qu'on filme. Elle le sait? Après, tu seras fouté là, tu seras fouté. Tu seras fouté, je te dis. Toi et elle, vous serez fouté, on sera pas fiché. Je savais pas comment te mettre autrement. On savait pas notre problème. Donc, en gros, il y a une caméra. Tu crois que hors caméra, du coup, je vais te frapper, je vais te faire quoi? Bah, go. C'est dégueulasse des trucs comme ça. Oh, donc, du coup, t'as peur que je te le répète pendant 2 ans. Mais ça fait 2 ans, frère. Quel est mon ensemble? J'avais peur. C'est pas des choses que tu dis comme ça. C'est 2 ans, mais c'est pas des choses que tu dis comme ça. Moi, quand je t'ai connue, j'étais une femme. C'est tout. Est-ce que je sais que ça allait durer 3 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans? Non, tu connais pas quoi? Mais t'as dit, tu veux durer 2 mois? Mais qu'est-ce qu'on en fait? T'as grandi la génération qu'on est? Et alors? Eh non, tu peux pas savoir à l'avance combien de temps tu vas rester avec toi. Après, moi, frérot, elle m'a appelé. Je savais pas, si je te jure, Hugo, si je savais que c'était toi, frérot, je serais pas en train de tourner une vidéo et je te l'aurais dit avant. Mais là. Frérot, ça fait 2 ans. 2 ans que tu me comprends. 2 ans que tu es en train de me dire, ouais. Fais ci, fais ça. Ouais, on fait ci, on prévoit, je fais des tests à blanc, frère. Je déteste. Et là, tu es en train de me dire quoi? Que tu peux pas t'en lancer parce que tu es un homme? En fait, quoi? Faut que je te tarte, en fait. Parce qu'en fait, tu peux te frapper maintenant parce que tu es un homme. Hein? Non, Hein? Hein? Oh, frérot. Hugo, oh, frère. T'es pas comme ça, frérot. Calme-toi, je comprends, je te jure, je comprends, tiens-moi. Julia? Va là-bas, s'il te plaît. Va un peu, Elonton. Bah, j'y crois pas. En gros, moi, je suis là, genre, je suis une pute. Parce qu'en gros, je suis avec un cabot, frère. Frérot, biologiquement, c'est un homme. Je suis d'accord avec toi. Physiquement, c'est une femme. Après, c'est toi seul qui peux savoir. Si tu as envie de rester avec, tu as des sentiments, tu restes avec. Eh ouais, j'ai des sentiments pour elle. Voilà pourquoi je réagis comme ça, frère. Ouais, c'est le pire. En fait, c'est pas le meilleur frère, gros. Mais biologiquement, après, frérot, il y a toujours. Tu peux adopter, tu vois ce que je veux te dire? On peut adopter, ouais. Mais bon, on peut adopter. Frérot, tu veux faire quoi? Tu veux rester avec? Tu veux faire quoi? Je sais pas, frérot, j'ai perdu, frère. On peut parler. On va le prendre comment? Bon. Ouais, dis-toi, j'avais parlé à mes parents de faire des coups, j'avais dit. Ah, je sais, frérot, c'est normal. Ouais, là, c'est normal, faire ton bras, c'est normal, frérot. Après, frérot, si. C'est toi, y'a que toi qui peux voir. Non, mais gros, comment tu peux faire, genre? Comment tu peux me faire ça au bout de 2 ans, genre? Comment? Je fais quoi? Je la fais revenir? Tu veux parler avec elle, vous avez dit. Par contre, tranquille. Oui. Tu peux revenir, pas d'embrouille. Oui. T'es sûr? Oui. Julia, tu peux venir s'il te plaît? Donc, pas de bagarre, frérot. Tu attrapes pas. Allez, parlez-vous une dernière fois, faites, je sais pas. S'il te plaît. Dis-moi pourquoi tu m'as menti pendant 2 ans, tu sais. Mais c'est pas moi qui fais ça. C'est pas compliqué, mais tu es confiance au bout d'un moment, non? La confiance, je l'ai.
Mais de le dire à un bon moment, c'est pas... Enfin, c'est vraiment un moment de quoi? Est-ce que je vois un père ou pas à table d'un coup, salut ma bête, avant c'était un homme. C'est quoi son origine depuis le début quand je te regarde, c'est tout. Ah ouais, depuis maintenant que c'est trop tard, voilà, bravo, tu viens de le dire. Tu réalises maintenant ou pas? Allez me faire passer pour un truc devant les caméras. En vrai, je me redis calmement, toi et moi, seul, sans aucune caméra, dégage le sourire. Ah c'est bien, tu fais ta pub. Quoi, t'as un transfert? Trop bien. Non mais elle sera floutée, t'inquiète pas. Petit frérot, t'explique, simple. Parce que maintenant je fais ta pub, frérot, t'as le dit, hein. Et en plus, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien, genre. Arrête-toi! Je ne vais pas m'excuser d'un truc que j'ai pas contrôlé. Oh, tu es sérieuse ou quoi? Sérieuse? Mais oui, tout ce qui se passe. Eh, j'ai pas réfléchi! J'ai réfléchi avant de parler de ça! Pardon, mais je peux pas m'excuser de ça, je vais pas te dire oui, pardon, oui, ben ça d'accord, pardon, pardon, tout! Hop là, allez, stop! Allez, stop, frérot. Julia, rentre chez toi, prends ta voiture. Vas-y, casse-toi! Stop, Hugo, je t'ai dit quoi? Frérot, s'il te plaît, tu vas te mettre dans la merde, écoute-moi, arrête. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute-moi. C'est bon? Tranquille, de toute façon, on est parti là. C'est bon? Frérot, on va arrêter là. La vidéo, on va arrêter, c'est ingérable. C'est ingérable, elle est partie en plus. Tu veux faire quoi? Tu vas rester avec? Tu vas pas rester avec? Tu sais quoi? Tu sais pas? Tu veux qu'on arrête de filmer? Bon, on va faire simple les gars, on reste en contact toi et moi. D'accord, ça faisait un moment qu'on se voyait pas en plus, mais on s'est sur Facebook et tout. Hein, on va faire un truc simple les gars. On va arrêter la vidéo parce que lui il commence à péter un câble. Si vous voulez savoir la suite, savoir s'il est resté avec ou pas, vous me rajoutez sur Instagram, cam-off-officiel. Donc rajoutez-moi sur Instagram, dans 2-3 semaines, quand la vidéo sortira, j'aurai la réponse. Et je vous dirai s'il est resté avec ou pas, parce que je pense que tous les gens veulent savoir la suite de l'histoire, mais si lui la connaît pas, vous pouvez pas la connaître. Donc, est-ce qu'il va rester avec? Est-ce qu'il va pas rester avec? Comment ça va se passer? Je n'en sais absolument rien, les gars. On arrête de filmer, frérot. Voilà, grosse force à lui. Et pour la petite conclusion, moi, je suis pour qu'on dise les choses à l'avance. Même si vous pouvez traiter la personne de transphobe, de ce que vous voulez, je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. S'il lui l'accepte pas, traitez-le transphobe, si vous voulez. Traitez-le de tout ce que vous voulez. Mais c'est son choix. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je comprends. Voilà, juste les gars, si un jour ça vous arrive, vous changez de genre ou quoi que ce soit, dites-le. Si vous vous mettez avec une personne, dites-le, c'est important quand même. Parce que ça ne cache jamais rien, parce que tôt ou tard, la vérité, elle se sait. Exactement. Ça peut provoquer des fraudes. Comme il a dit. Si elle avait déjà avant, peut-être qu'il serait avec elle. Donc voilà. Bon les gars, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et faites attention à vous et à vos proches. Et je vous donne des nouvelles du frérot, savoir s'il est resté avec elle ou pas, sur Instagram, comme je vous l'ai dit, s'affiche en dessous, cam-off-officiel. C'était Kamoff, à bientôt.